en présence de Pierre Véloche pour parler de Breeders' Cup qui réalisait vraiment une super fin d'année 2017. Ouais, toute l'année a été très bonne, surtout au monté, la jument elle a bien couru. Et fin d'hiver, on a eu un petit peu de soucis d'allure, ce qui m'a un peu décidé à lever le pied et attendre un peu pour recourir attelé. Et sa troisième place dernièrement à Laval était certainement à la hauteur de vos espérances. Ouais, un peu plus même, oui. Hein. Je la courais pour la première fois sans enrainement. C'est une jument qu'on enrainait beaucoup avant. Et puis j'ai tenté à l'âge de la simplifier un peu en bride et ça a marché. Voilà, le chrono n'était pas exceptionnel. Donc la performance était bonne, mais le chrono était, on va dire, ordinaire vu la catégorie de chevaux. Donc on va voir ce soir si elle a le niveau attelé aussi dans une course qui barde. C'est plus une course qui a valeur de test ou vous voulez vraiment la laisser à l'attelage un petit moment? Bon, disons que c'est une jument qui a des moyens, c'est sûr. Hein. Alterner deux spécialités, c'est quand même bénéfique pour eux parce que monter, c'est des courses difficiles. Alors, on essaye attelé à 25 mètres, ça reste des tâches un petit peu difficiles, mais c'est une jument qui aime les courses sélectives, donc c'est intéressant de la juger, la face que seule femelle. Ouais, y a 2-3 clientes au premier échelon, mais après, pour la 3-4e, c'est possible. Voilà, c'est une jument qui finit vite et avant le coup, les places sont envisageables.